Le vendredi 10 février, un événement tragique s'est produit, faisant état d'un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Pierre Palmade, célèbre humoriste français, conduisait sa voiture lorsqu'il a perdu le contrôle de celle-ci, dérivant sur la voie de gauche et heurtant violemment un autre véhicule. Malheureusement, cet accident a causé des dommages considérables. Une femme enceinte a été gravement blessée, subissant la perte de son fœtus par la suite, ainsi qu'un homme et son fils âgé de 6 ans qui demeurent dans le coma. L'incident a été suivi d'une enquête pour homicide et blessure involontaire entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, impliquant le conducteur du véhicule. Le jeudi 16 mars dernier, les invités présents sur le plateau de Touche pas à mon poste étaient Omer et Ilmaz, le neveu et le cousin du conducteur de la voiture, Yüksel. Ces derniers ont saisi l'occasion pour aborder la question du silence reproché à Muriel Robin. Ilmaz a affirmé qu'il n'avait jamais vu l'humoriste et qu'il n'avait jamais été en contact avec elle. Cependant, il est possible que Muriel Robin ait croisé les proches de Mila, la jeune femme ayant perdu son bébé, car elle se trouvait à l'hôpital où Pierre Palmade avait été admis. Ilmaz a d'ailleurs déclaré qu'il avait prévenu sa femme de ne jamais se rendre dans cet établissement. Il convient de souligner que Muriel Robin n'a pas été en contact avec les proches du conducteur de la voiture accidentée. Toutefois, concernant Pierre Palmade, celui-ci a exprimé ses regrets aux familles des victimes par le biais de sa sœur. Celle-ci avait déclaré que l'humoriste était honteux de l'accident. Cependant, les proches des personnes impliquées ont affirmé ne pas avoir reçu de nouvelles directement de Pierre Palmade. Ilmaz a indiqué qu'il est possible de pardonner, mais que cela ne doit pas occulter l'accident lui-même. Pour l'heure, la priorité est de suivre l'état de santé du conducteur, à savoir son cousin. Le cousin du conducteur, Ilmaz, a exprimé sa compréhension envers l'humoriste Pierre Palmade, affirmant qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal et qu'il peut se présenter s'il le souhaite. Il a précisé que leur objectif est de laisser la justice faire son travail, sans pour autant éprouver de la haine envers l'humoriste. Ilmaz a tenu à souligner que Pierre Palmade ne les connaissait pas avant l'accident et que cela aurait pu arriver à n'importe qui. Pour Ilmaz, la question centrale est la consommation de drogue, ajoutant que l'humoriste n'avait pas l'intention de percuter leur voiture. Cette réponse émanant du cousin du conducteur témoigne d'une profonde émotion et de compréhension envers les événements tragiques survenus. En présence de Cyril Hanouna, Ilmaz et Omer ont communiqué des nouvelles de leurs proches blessés dans l'accident. Ilmaz a déclaré espérer que son cousin se rétablisse bien, mais a également avoué ne pas savoir s'il restera handicapé ou non. Il a néanmoins fait part de son soulagement en constatant que l'état de son cousin s'améliorait progressivement. Toutefois, la situation reste préoccupante car son cousin n'arrive toujours pas à marcher et doit demeurer à l'hôpital dans son lit pendant encore quelques mois.